Bon, on va faire comme ça, on va faire style. Donc, j'avais Sayou à enfiler. Ah, mais... D'accord, c'était pas abîmé, c'était qu'il y avait un plastique derrière. Ok. Autant pour moi. Bah ouais, mais devant, il est plus joli. Il y a la texture. Ah, c'était censé être derrière la texture, effectivement. Si je mets dans le bon sens, ça sera peut-être mieux quand même. Voilà. Ouais, effectivement, ce sont pas des grosses lignes dégueu, ce sont juste. Eh ben voilà. Ça va ici. La petite Souyou. Je suis obligée de faire en deux fois parce que sinon vous voyez. Enfin, comme il y a les deux caméras, je suis obligée de faire en deux fois. J'ai une micro. Ok, autant pour moi. Ça me perturbe tellement. Donc je disais, je suis tellement perturbée d'avoir deux caméras en même temps, d'essayer d'être sur un live et de pas savoir du tout utiliser le truc et d'être en même temps en vidéo YouTube pour au cas où. C'est dommage qu'on puisse pas diviser l'écran en deux, style mettre Insta et Twitch, un truc comme ça. Souvent sur le socle il y en a aussi un, mais apparemment non. La petite Souyou. Hop. Et on est avec Shoto Todoroki, si je dis pas de bêtises, je vais me... Voilà. Ça arrive 15 minutes. C'est tellement satisfaisant d'enlever le plastique. Peut-être on va pas plus. Je ramasserai peut-être. Les figurines sont prêtes, c'est déjà ça. On va mettre ça ici. Oui, ici, ce serait une bonne idée de ranger ça. Oh. Ah oui, il me restait une gaufrette. Je pensais avoir tout fini, mes gaufrettes. Mais non, il m'en restait une. C'est cool parce que j'ai pas fini mon repas, j'ai pas pris le temps de la dessert. Bon, d'abord, me concentrer sur le rangement. Comme tout à l'heure. Ah ouais, je m'en fous. Les cartes, on va les mettre là. Après, c'est quoi les mangas? Ah oui, c'est les hentai. Je dois ranger. Ok. Alors, les hentai. Faire attention à ne pas trop en montrer parce que. Ça, l'objet, je l'ai déjà présenté. Désolée. Et après, c'est... Ok, donc là, il faut juste que j'essaie de tout remettre dans le bon ordre. Ça, ça va. Tout en bas. Ouah.
le désir, je ne sais pas si c'était pas un peu plus loin. Okay. Lecture, non, tout, non, ne te retourne pas, il va en bas. Et ces deux-là, ils vont ici. Hop. Donc là, on s'en fout, c'est que les petits goodies. Tant pis, c'est pas grave. Normalement, je range les hentai par ordre de lecture et je sais plus, le manga ne te retourne pas où est-ce qu'il est placé exactement. Donc ça, par contre, c'est pour le mois de décembre. On va le mettre là. L'été du mois de décembre. Et ce qu'il y a le plus à ranger, c'est ça en fait, parce que j'ai tout mis ici comme ça en vrac. Ce sont mes derniers achats. On va peut-être ranger ça en fait d'abord. Que les Genshin Impact, j'ai aucune idée de où les mettre. Les en fait My Hero Academia, Kiyun, je n'ai pas de place pour les mettre. Et puis ça me fait chier en fait de les mettre plus bas, on les verra pas avec YouTube. Après ça, j'ai peur que ça reflète en fait. On est toujours un, youpi! Si vous me voyez, mais YouTube ne me voit pas sinon. Voilà. Ouais, ça n'a rien à voir avec les éditions Akata, mais faute de mieux, je mets ça là. Voilà. Enfin, comme je vais peut-être un jour déménager, je peux pas les mettre ailleurs. Ça vous, on va la mettre en haut. Voilà. Venti, on va le mettre là. Et ça, par contre, ça va sur l'étagère. J'ai réussi à enlever, mais c'est l'arrière. Ça, on va clairement s'en occuper une autre fois, parce que là, le but, c'était pas ça, c'était de ranger. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, là. Je vais m'en mettre pour moi. Maintenant, ce qui me préoccupe, c'est ça. C'est là, mais j'ai juste un petit chapeau à prendre. Ah oui, un sticker Tokyo, la même chose, effectivement. Les Chinbicha, on les met là. Ça, du coup, citrus, je peux le ranger avec les autres. Rangé par série, mais il me manque le... Il me manque un tome là, il est où?
On verra plus tard. Plusieurs jours. Alors, plusieurs jours. Hop. My Hero Academia, il n'est pas urgent. Donc là. Donc ça, ouais, le moins urgent, mais c'est pas bon. On va le laisser là. Triangle Game, je vais le ranger avec le tenoir. Épouse-moi, 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 est-ce que je l'ai mis par là? Non. Et où épouse-moi d'ailleurs? Non. Bon. Les Yuri en priorité. Ça d'ailleurs, c'est pas une priorité en fait. Une priorité non plus, on va le mettre en arrière. Un colloque d'enfer. Il descend. Je sais même pas si. Ouais, vous voyez pas vraiment, mais il y a une ligne là aussi. Hop, Shine. Avec Shine. C'est un pilier qui va ici. La boisson qui est toujours là, c'est bon. Il n'est pas terminé, donc on va le reculer. L'atelier sorcier, il va de toute façon de l'autre côté. Nobi, Nobi, le petit de Nobi, Nobi. N. Ils sont là. Oshinoko, Oshinoko. On a deux spectateurs. Ah, voilà, Monsieur Pistou, salut. Coucou. Je sais enfin, heureusement que tu as mis un commentaire parce que je savais pas du tout où est-ce qu'on voyait les messages sur téléphone. Voilà. Et je sais même pas si je peux regarder en fait le nombre de. Enfin, qui sont les personnes qui regardent. Non, apparemment, non. J'ai même pas vu quand c'est que tu l'as mis. Je suis désolée. J'étais tellement. Ouais, le début, c'est difficile. Bah, c'est surtout c'est via téléphone. En plus, bah, c'est la première fois. Donc je suis complètement perdue. Sur téléphone, tu peux, mais sur. Tu peux pas, mais sur PC, oui. D'accord. Au moins je sais. Je suis en train de ranger en fait mes mangas parce que du coup ça fait un petit moment que je pose comme un à l'arrache. Et que voilà, je finis le live à 14h au cas où. Et après j'en ferai un, enfin là je finis le live à 14h de rangement. Je vais aller regarder un film de Noël suite TF1. Et dès qu'il est fini je reviens ici et ça sera sûrement du coup la décoration de Noël au cas où. Voilà. Et là je suis en train de réorganiser parce que tout ça en fait, tout ce qui était devant, c'était mes achats que j'ai fait ces derniers temps. Mais il y aura une vidéo en fait. Il y aura une vidéo YouTube du coup sur les augmentations des prix qui va sortir ce week-end et une vidéo de mes achats qui va sortir lundi prochain techniquement. Donc ça, il n'est pas urgent. Voilà. On va sortir. Je ne sais même plus lesquels m'a envoyé la maison d'édition et lesquels j'ai pris moi-même. Une horreur. On va considérer qu'ils ont tous été envoyés par la maison d'édition, ça sera possible. Voilà. On va pas.
pas faire de chichi, on s'en fout des détails. Voilà. Elle va être grosse. L'augmentation, ça dépend des maisons d'édition. Taifu, par exemple, c'est 36 centimes. J'ai pas toutes les infos parce qu'elles sont sur le portable. Mais t'en as des maisons d'édition, c'est 9 centimes selon le titre. Enfin voilà, après, ça dépend aussi des codes barres. C'est-à-dire que tu as des maisons d'édition où tu vas avoir une augmentation pour tel titre. Par exemple, Glénat 10, tu vas avoir 10 centimes. Enfin, 9 centimes. Glénat 15, tu as 35 centimes. Enfin voilà, c'est vraiment très varié. Mais ça, de toute façon, il y aura les tableaux des augmentations dans la vidéo où je parle des augmentations justement des prix et quelles sont les conséquences pour la chaîne YouTube. Voilà. C'est forcément, ça va avoir des conséquences. Je suis perdue maintenant. Je t'ai rien demandé, toi, par contre. Tu vois. J'ai perdu mon tome 2 de Yuzu. Je l'ai fait. Ah non, le tome 2, je l'ai pas. Mais par contre, c'est tome 1. Où es-tu, petit tome 1? Je suis sûre que je l'ai laissé avec les mangas filmés au niveau des pages. Me connaissant, c'est pas possible. Donc ça, on va mettre ça ici. Non, avec les lectures de dessin. Enfin, le dessin. Quand je peux, quand je pourrai. Ça aussi c'est des yaoi, il faut que j'en ai trop à lire et je sais plus lesquels j'ai pris moi-même. Enfin, je re-regarde la vidéo. Ok, Dak, c'est pas astronomique selon les séries. Ça dépend parce que regarde, alors je sais plus de combien est l'augmentation par exemple pour Yona Princesse de l'Aube, mais comme la série est en 40 tomes actuellement, moi j'ai les 12 premiers, ça, si je les achète après le 1er janvier, je vais avoir plus 7 euros. Et rien que là, sur les séries que j'ai à compléter, qui sont terminées et que donc du coup je peux les compléter, ça va me faire plus 20 euros d'augmentation. Parce que oui, tu te dis un tome plus 9 centimes ou plus 36 centimes, sauf que par exemple plus 36 centimes. Si j'ai la série Citrus à compléter, elle est en 10 tomes plus il y a une saison 2, 36 centimes x 10, ça commence à faire beaucoup. Ouais, ça va piquer, ça va faire très 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 mal. Et bon, après je me dis que techniquement je vais déménager sur Bordeaux et que techniquement je pourrais donc emprunter des mangas à certains amis et inversement, etc. Donc ça sera plus simple d'être sur Bordeaux et donc du coup pouvoir emprunter les mangas des copains. Ou il y a aussi d'autres solutions, mais ça je l'ai, j'ai évoqué du coup tout ça dans la vidéo là de qui sort samedi. Donc ça on est bon. Ça il s'est terminé, je le sais. Ça monte. Et puis lui, je peux le mettre avec les collections Halloween. Oui, non, c'est bon. Ah ben voilà, je savais bien que j'avais des mangas à ranger, je savais plus où ils étaient. En vrai, le live fonctionne nickel avec ton téléphone. Ouais, et en plus je trouve que la qualité d'image, quand je vois le retour écran de mon appareil photo qui est juste au-dessus, je me dis que la qualité d'image est vachement plus jolie en plus. Je suis presque dégoûtée, quoi. Tu te dis à quoi bon acheter un téléphone pour ça, quoi. Enfin, avoir un appareil photo si... téléphone suffit largement. Yaoi que j'ai lu mais que si j'ai filmé, ça sort ce soir au cas où. Bien, c'est la vidéo de ce soir, Sugar Dog Life Yaoi à 17h. Faut que je fasse la miniature.
Oui, je me fais peur moi-même au cas où. Je sais pas si on me voit. Non, on me voit plus en fait. Si, on me voit. Mais je me fais peur moi-même. Ne t'inquiète pas. Surtout avec ma cheville fragile. Hop. Hop. Voilà. La montagne des pixels. Les téléphones sont de plus en plus performants maintenant. Ouais, c'est un truc de dingue. Mais l'appareil photo, je ne l'ai pas acheté il y a longtemps. C'est ça le pire, quoi, en fait. Donc c'est ça qui... Parce qu'il a 2 ans. Même pas, je crois. Mais bon, au moins, ça veut dire que je pourrais très bien faire des lives via téléphone ou quoi que ce soit. Et avoir un deuxième. Parce que là, lui, en fait, celui que j'avais avant qui est cassé... Enfin, il est tombé, il est explosé. Mais j'ai toujours le fond d'écran d'Halloween. Il me sert juste maintenant pour certains détails ou quoi que ce soit. Mais il aurait pu me servir pour voir les messages et compagnie. Tu sais, l'avoir là et voir les messages en même temps. Et pour l'instant, la fibre ne passe pas jusqu'ici. Oh, wifi. Je vais faire avec la 3G. Voilà, ça c'est bon. Le couvent des damnés. Normalement, j'ai plus besoin du volume. Parce que j'ai mis les couvents du damné. Là. Si le yaoi, je voulais le mettre ici, mais... De toute façon, ça, je sais très bien comment ils vont finir ceux-là. Donné, il faut juste que je sois réaliste. On va perturber. Souffre-douleur, je ne sais même plus s'il est terminé ou pas. Ça non, je pense pas. Soleil. Soleil, c'est ici. Et doki-doki. Ben, j'en ai pas. A, B, C. Il est là, le manga que je cherche depuis tout à l'heure. Il était dans le temps en bas. Alors, j'avais dit, ceux qui ne rangent pas, ils sont là. Ça, du coup... Je ne l'ai pas lu, donc il va ici en priorité. Il est 35 et ma foi, j'ai presque fini. My Hero Academia, du coup, je vais le descendre. Là, parce que... Ah oui, je veux descendre ce manga, le mettre en dessous. Hein? Attends. Ah, il est caché. Ouais, il était bien caché. En fait, j'avais... là, on a une étagère. En dessous, tu as encore une pile, une ligne où tu as les séries normalement que j'ai acheté le tome 1, mais toujours en cours au Japon. Et après, il y a une ligne en fait qui est vide où j'ai posé en fait ceux que j'ai présentés là dans ma vidéo sur les ce que ça allait faire au niveau des conséquences des augmentations des prix. J'ai montré certaines séries où, qui étaient dans ma pile à lire, que j'ai en retard, etc. Que j'avais donc présenté dans la vidéo et. J'avais posé en dessous, j'avais oublié que c'était en dessous, donc j'avais oublié que le tome 1 de Yuzu, il était en bas. Voilà. Donc ça, on va le mettre là pour l'instant. De toute façon, il n'y a pas d'urgence. Ah ouais, la même taille. Ok. Voilà. Non, j'ai clairement la flemme. Je veux ranger là. Je sais pas si on les voit. Si. En dehors du grand, là, ici, il y a les 8 tomes de. Comment ça s'appelle ? Blue Flag. J'ai clairement la flemme en fait de les ranger parce que ça ressemble plus à rien déjà. Puis qu'il y a les yaoi. Ça, on est d'accord que ce sont des trucs à compléter.
Attendez, je peux pas ranger un truc ou deux là? Si, je peux ranger un ou deux titres. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre qui est logique surtout? J'en sais rien parce qu'il faut prendre en compte le déménagement et ça c'est chiant. Il te faudrait limite une nouvelle bibliothèque. Ouais, ou alors accepter en fait. Je déteste quand mes piles à lire, il y a deux couches. C'est surtout ça. Parce que là, il n'y a qu'une couche, là, il n'y a qu'une couche. Et là, à chaque fois, je déteste en fait quand il y a deux couches. Je m'en fous qu'il y ait deux couches. Toi, à côté, il y a deux couches. Je m'en fous quand c'est les séries terminées. Mais quand c'est les séries de la pile à lire, ça me fait chier. Mais là, en fait, ce qui va se passer, surtout, c'est que tout ce que tu vois ici, par exemple, là, cela. Bon, j'ai pas tout, hein, parce que par exemple, j'ai mon colloque d'enfer où j'ai tome 1, 2 et 4 sur 10. Et pareil, il y a un film in love after school où j'ai les 5 premiers tomes sur 8. Et tout ça, ça va être lu du coup avant la fin de l'année. C'est mon objectif de fin d'année, ça. Donc voilà. Après, c'est pas qu'il me faudrait une autre bibliothèque. Quoique, j'ai une pile, hein, en fait, tout à l'heure, comme je t'ai dit, hein, il y a une étagère qui est complètement vide, mais elle est tellement basse que j'aime pas. Parce que j'aime pas, quand c'est des piles à lire, ne pas avoir à ma hauteur de vue. Ou alors, je prends le truc de descendre. Du coup, Mangetsu, et les mettre en bas, quitte à ce que je les vois pas, parce que de toute façon, c'est pas très grave. Tu m'as donné une idée là. Oui, et puis si je les vois pas, en fait, la pile à lire, le problème c'est si je les vois pas, j'oublie. Et donc, je consomme pas, et donc, du coup, voilà. Mais ouais, tu vois, tu viens de me faire penser que je vais descendre en fait là. J'avais juste Mangetsu, ici c'est les mangas de foot. Vu qu'on est en période de foot, je vais lire tout ça, mais j'y arriverai jamais. Que je vais descendre du coup. Et là, ça me fait une étagère pour mettre la pile à lire là de ce que je dois bouffer maintenant. Et après, il y aura tout le reste. Et ça, c'est vraiment mon objectif de 2023, ouais. De vider le plus possible. 8h39, j'ai le temps. Ah, hop. Au revoir les Lego Mangetsu. On va la mettre en sécurité parce que je sens sinon ça va finir en connerie. Et celle-là, j'y tiens plus que tout au monde. Voilà. La poche de goodies pour les copains. Au revoir. La machine de sport sur le côté. Hop. J'avais oublié en fait dans l'étagère en dessous, j'avais mis mes baguettes Harry Potter en fond parce que justement je n'avais pas. Je ne savais pas où les ranger. Hop là. Pourquoi j'ai le tome 8 de Aoshi ici? Non mon gars, tu viens avec moi. Hein. Je dois te lire mon Wikia. T'as quoi? De toute façon, non, elles sont propres à chaque fois. Pas de soucis là-dessus. Non, c'est pas propre. Shirogane. Voilà les mangas de foot. Qui doit bien se marrer parce que j'ai jamais le temps de les lire au final. Au départ, j'allais dire rangement des étagères, pas déménagement des étagères. Donc, ça, c'est la bonne étagère. On va mettre juste le manga de sport en haut. Ce qui me fait chier, c'est de tout. Coucou Mary. Ça doit être bien lourd à force. Oui. Je me demande d'ailleurs combien ça pèse. Ce que j'ai déplacé là une fois. Et le pire, c'est que j'en ai marre parce que je me casse le cul à tout ranger et à tout réorganiser. Alors que si je déménage sur Bordeaux en janvier, tout ça, ça sert à rien. Mais c'est pas grave. Quand on aime les mangas, on compte pas, on va dire ça comme ça. Ah.
ça, c'est les objectifs de fin d'année avec les yaouis. Ça, j'aurai quelque chose de plus visuel et ça sera moins brouillon même dans ma tête. Ce qui est pas plus mal. Ça, c'est mon gars de sport, c'est pour avril. J'avais Twittering que je voulais lire parce que ça me permettrait de savoir si je continue ou pas la suite. Les cours, non, enfin, si il faut que je complète. Non, il reste bien, ça va. Très très bien. On va faire style. Il y a des fois, j'ai envie en fait de me mettre un truc sur les yeux, de faire non, j'ai pas vu mes conneries. Au moins, c'est rangé, oui. Au moins c'est rangé et au moins c'est plus visuel aussi pour dans ma tête pour ça, pour cela. Très clairement là c'est plus visuel et c'est... Il y a des moments où j'ai vraiment envie de me cacher, de dire j'ai rien vu, j'ai pas vu. Parce que quand je vois qu'il y a encore là les prisonniers Rikou, ne parlons pas depuis quand j'ai les prisonniers Rikou, que j'ai dans ma pile à lire ce genre de titre que j'ai depuis l'époque de mon ex. Très clairement, à un moment donné, t'as envie de te dire stop les conneries, lui. Enfin bon, il est 45, on aura réussi à le faire dans les temps, dis donc. Il me reste quoi à faire? Si, j'avais mes stickers à trier, mais bon, ça va être d'un grand... Ça va pas être très très fascinant de trier des stickers. Mais il faut que je le fasse, c'est vrai qu'il faut que je le fasse. L'éventail, il va hop, replier. On va mettre là. Le stéthoscope. On va faire ce qu'on peut pour le ranger. Voilà, c'est bon. Et j'ai mes stickers à plier. Quand je vois à la vitesse que les maisons que la maison devient bordélique. Je me dis pareil. Ah oui, non mais dans mes achats comme ça, quand je fais des conneries comme ça, j'ai envie de faire. Non, j'ai pas vu, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi qui fais de la merde et qui achète des mangas alors que j'en ai à lire. Mais on peut pas me refaire un petit confinement comme le premier. Désolé pour les oreilles. Un petit confinement de 2-3 mois. Allez. Je finis les bouquins en numérique. Même si c'est un fâché parce que j'achèterai forcément. Un doublon, mais au moins ça me permettrait peut-être de lire les 9 premiers tomes de Like the Best et les 8 premiers tomes de The Prisoner Rikou. Je m'étais acheté des stickers de manga, mais je trouve que je suis plutôt déçue de ce que j'ai reçu. Waouh, il est dégueulasse celui-là. Oh, Shikamaru! Celui-là, je vous le laisse pas, les gars. Je suis désolée, mais non. Logo, plusieurs personnages, Kakashi, encore Kakashi, le duo, j'ai perdu le nom du personnage, si, j'ai perdu le nom de ce personnage là. Moi je dis pas non. Ouais, 4-5 mois je lis tout. Faudrait juste qu'on nous dise avant que j'ai le temps d'acheter par exemple là les séries que je dois finir et comme ça me laisse vraiment le temps de le faire. Mais faudrait que ça soit hors opération des périodes d'opération et tout ça parce que opération des bras après un peu compliqué. Mais quoique, vu que je dois rester tranquille. Moi, je resterai tranquille. Ah, d'accord. J'ai aussi des autocollants Boruto. Youpi. Waouh. Il est explosé, ce... Il y en a deux là, stickers qui sont dégueulasses. Plusieurs personnages. Encore du Boruto. Ouais, mais celui-là, il est considéré comme Naruto ou Boruto.
c'est Naruto quand même. T'es tellement pas important dans l'histoire que j'ai oublié ton nom. Oh, joli. Celui-là, il est canon. Les décalages entre l'image et le live. Ah, tu penses? Peut-être que le téléphone est fatigué à force, je sais pas. De toute façon, tu sais, il est 48, dans pas longtemps, je vais arrêter. Duo, mais c'est pas le même, on s'en fout. Jiraya. Kakashi. Boruto. Boruto. Est-ce que je mets les enfants, enfin ceux qui sont devenus des parents, qui étaient dans Naruto, Naruto Shippuden, qui deviennent des parents, est-ce que j'ai mis dans mes stickers de Boruto? Ou est-ce que j'ai mis dans les stickers de Naruto, mais du coup c'est un spoil. Ah, oupsi. C'est pas grave, de toute façon là on en est vraiment sur la fin donc. Boruto, Naruto, 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 Rock Lee, Naruto. Ouais mais j'ai dit, on savait pas trop pour Naruto. Ou si on était en Boruto du coup. Les adultes, on va les mettre à côté. Naruto, 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 Naruto. Ah, si t'aimes pas Naruto, t'es dans la main. Ah non, c'est ceux que j'avais déjà. D'accord. Ok. Hop. Gara. Oh, il est trop mignon. Bon, il fait peur. Je mettrai dans Boruto, je pense. Ouais, pareil, parce que sinon, ça spoil. Oh, il est dégueulasse celui-là. Oh, c'est cadeau. Il est dégueulasse. Moi, ouais, je sais même pas lui dans quoi faut le mettre en fait. Bon, on va le mettre là en attendant. Naruto, Kakashi. J'avais des Kakashi, oui. Encore Kakashi, Naruto. Sasuke. Il est où Sasuke? J'avais pas des Sasuke. Non, bon. Tant mieux, je n'aime pas spécialement. Oh my god, c'est quoi ça? Ça s'appelle une horreur. Ça s'appelle un autocollant acheté sur AliExpress. Voilà, et il y en a deux autres aussi qui sont un peu éclatés au sol, mais c'est pas grave. C'est ça, j'avais pris ça en fait, les stickers comme ça, pour glisser dans les commandes des tableaux. En me disant que ça ferait plaisir aux gens en fait d'avoir deux, trois stickers de certains univers. Après, au départ, j'avais pensé aussi à faire des tableaux avec les stickers, mais je suis pas. Je sais pas. Gara, je vais le garder pour moi. Je suis désolée les gars, mais c'est Gara. Allez, les fruits baskets et après on arrête. On a fini. Kiyoyuki, Tokuyuki. Animaux, taureau, on va faire du haut parce que sinon ça va me saouler. Animaux, non, taureau. Oh, il est trop mignon celui-là.
Il est juste trop chou. Oh, il est chou celui-là aussi. J'adore. Il y en a plusieurs. Hoppa, youpi. Oh, elle est trop chou. Désolée si ça vous saoule, mais je trouve qu'il est trop chou. Je crois que je vais tous vous les montrer, forcément qu'ils sont cute. Il y a celui-là aussi qui est canon. Avec mon Michi. Et celui-là, il est quand même pas mal. Voilà. Donc, animaux, on a dit. Animaux. Omichi qui j'avais pas. Duo. Enfin, groupe. Groupe. Solo. Oh, Shigure, ma vie. Elle est d'à côté. Kyo, ah enfin, encore Kyo, Toru, Toru, plusieurs, 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 Kyo, Toru, plusieurs, Omichi, oh, Tori, oh la tête de Tori, j'en peux plus, trop mignon. Momichi, Onkyo, encore Kyo, Toru, Kyo, Kyo, Kyo. Ah oui, mais c'est animaux. Animaux. Groupe, 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 groupe et groupe. Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup. Hein. C'est en dehors de Toru, Kyo, Yuki. J'ai trois pommes Momiji et les autres, il n'y a personne. Voilà, ça. D'abord les animaux. Yo. Il y a trois en plus pour stickers de Yo. Et tout. Après, dans les stickers comme ça, je les ai déjà triés. Mais j'avais pris des Jujutsu Kaisen. Et j'ai aussi des One Piece. Merde, j'ai oublié de... Tant pis. Donc ça là en attendant. Voilà, ça j'avais dit que je les mettais dans mon calendrier là-bas, je crois. Je sais pas. On va les laisser là avec les stickers pour moi. Ça, c'est pas pour moi par contre, c'est pour vous. Et bah voilà, si ça. Le ranger aussi. Je pense que ça va te parler, monsieur Pistou. Il y en a beaucoup sur les sachets en vrai. À chaque fois j'ai pris des sachets de 50. Donc c'est pour ça. Voilà. Hop.
Le Aowashi, c'est même pas au foot parce que bon, je pense pas que je vais pouvoir lire jusqu'au tome 12. J'ai jusqu'au tome 8 et après, de toute façon, faut acheter donc j'ai la flemme. Ma petite boîte de mochi. Bah, je pense qu'on a fait le tour, il est 58, tout pile. L'univers. Ah oui, Étrange Noël, enfin l'étrange Noël de Monsieur Jack, effectivement. Moi aussi j'adore. Donc le live est terminé, j'espère que bah, ça t'aura plu du coup, Monsieur Pistou, parce qu'il est surtout toi. Bah, je vous retrouve du coup tout à l'heure. Là, je sais même pas à quelle heure ça finit le deuxième film, enfin le premier film de Noël. Et dès que c'est fini, de toute façon, je vais revenir ici faire le live et on va ranger donc, enfin, pas ranger, on va décorer la Mangatech version Noël. Ça sera sûrement bleu et argent. Voilà, à tout à l'heure!